remise en jeu avec une première intervention là pour De Winter. Joueur appartenant à la Juve, c'est peut-être celui qui a le plus de temps de jeu qui, au niveau des grands championnats de Winter. Oui. Il a été prêté à Empoli par la Juve et il preste pas mal. Hein. Non, c'est vrai que c'est, j'ai toujours trouvé que c'était vraiment un joueur vraiment superbe. Écoutez Benoît, je l'avais vu en Ligue des Champions, il a joué un match de Ligue des Champions avec, avec la Juve et franchement... Il était très bon, il jouait à droite, hein, arrière droit, il avait joué. Ouais. Attention, le danger se rapproche là, dans les buts belges, vers les buts belges. La tentative, sans problème. Ça manquait un peu de puissance là. Van de Voort capte ce ballon sans souci. Oui, la Tchéquie qui a pris la possession du ballon et qui joue très haut. Bon ballon du capitaine tchèque. C'est Sike qui est à la retombée de celui-ci. Deuxième ballon avec Rinej. Sike. Qui va l'en sauter là sur le flanc, on va venir à deux pour récupérer ce ballon côté regardez, belge. De nouveau en difficulté, hein, vraiment. Ouais, on le perd là dans une zone dangereuse, la petite passe en retrait et la frappe, la voici. Oui, encore une fois, beaucoup de facilité pour arriver au but. Ouais, ils ont tout le temps hein, de combiner. C'est Kipchak qui joue haut, hein, je le répète, et qui presse haut. C'est pour ça qu'ils ont eu quelques actions, on ne peut pas dire des vraies occasions. Ce ne sont pas des occasions vraiment. Allez, ça combine un petit peu là côté Diablotin. Le centre là vers le second poteau, l'idée était bonne. Un deuxième ballon peut-être à récupérer et à jouer. Aldakil, allez, c'est ouvrir. Pas mal fait. Voilà. Van der Bremt avec Sike qui rentre dans le jeu, c'est pas mal le petit enchaînement. Excellent là. Ballon. Ah, la voici la première possibilité pour la Belgique. Et oui, c'est un pied là qui sauve le gardien. Enfin un tir cadré, Benoît. Oui, un tir cadré, mais qui n'est pas arrivé jusqu'au cadre. Non. Un premier danger, véritable. Donc pratiquement à la pause. Daar gaat een Kuba. Ja, meteen een goede ren. Goh. En meteen een aardige voorzet. Er wordt er gewoon de panelen in gelopen, in geduwd. Nou, eigenlijk alleen Keita die zich aandient als aflossingspunt. Nu komt ook Matadzo wel even in de bal. En dan meteen ruimte. Goed aangenomen door een Kuba. Die brengt wel wat schwung. En die gaat zelf trappen. Een half buitenkantje. En recht op de doelman. Beetje optimistisch, maar heeft wel impact, ken Kuba. Ja, een beetje oppushen. Roept Thomas Buff, een beetje iets hoger. Ja, tuurlijk, waarom niet? Okay, je kan wel goed in positie staan, maar je moet op een gegeven moment ook collectief druk durven zetten. Van de Voort verslikt zich. Dat was dan een tackle van het Tsjech die niet echt op de bal was. Van de Voort herstelt. Het is nog niet gedaan. Goed vertragingswerk van Sardella. Een gevaar nu toch geweken. Ja, ja, gevaarlijk wat Maarten van der Voort deed. Ja, ze zijn hem toch constant aan het opjagen. Ja, goed balletje hoor van Kouchet op de infiltrerende Valenta. Christophe Danek heeft de spelervatting overgenomen bij Tsjechië. En daar is Van der Voort. Moest daar zijn voor de neus van Filip Kalec. Heel weinig druk op de bal nog van de jonge Duivels. Ja, nog veel spelers die in de eerste seizoenshelft eigenlijk... of nu na nieuwjaar niet zoveel gespeeld hebben. De onderschepping van Eliot Matadzo. Daar gaat Ramazzani. Het gat getrokken door Balikwisha. Dit moet een kaart zijn. Het wordt geel wellicht. En het is rood zelfs. En dat vind ik niet eens onterecht. Nee. Rood voor de aanvoerder van Tsjechië. Ja, dat is eigenlijk zonde in een vriendschappelijke interland als deze. Nou ja, maar dit is echt om te pakken. Het is terecht rode kaart. Ja goed, dat is duidelijk een professionele fout. Maar ja, nou, ik kan het op verschillende manieren doen. Ja, tuurlijk. Ja, ja, voilà. Maxim de Kuiper. Daar is Pletings. Nou, hij kwam goed ingelopen, maar timde niet perfect. Ik onderweg naar beneden. Ja. Hm.
Maar de tijd die is verstreken. Voilà. 2 keer 45 minuten van de oefenstage zitten erop. Maandag volgen er nog 2. Ja, wat conclusies zou je hieruit kunnen trekken als coach, Wim? Ja, dat het beter moet, intenser moet tegen Japan. En Japan zal op gebied van duelkracht en intensiteit minstens hetzelfde brengen van de Tsjechen. Dus dat we net iets scherper mogen zijn.